Je tiens à vous prévenir que cette visite est pour le moins impressionnante pour les cœurs sensibles. Au siècle dernier, cet homme était un lutteur de grande renommée. Tout le monde l'appelait Satan, parce que certains affirment que ce lutteur avait vendu son âme au diable. Et en échange, le diable l'avait fait champion du monde. Un lutteur qu'on appelait Santo Masque d'Argent, autre figure légendaire qui consacra toute sa vie au service du bien et de la justice, aurait défié Satan en provoquant une sorte de championnat du monde. Je jure sur mon âme de me venger. Certainement celle de Satan. Moi, j'y suis convaincu, et qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Où veux-tu aller? Non, tout ça est ridicule. Je vous le répète, monsieur l'inspecteur, nous l'avons vu de nos propres yeux, n'est-ce pas, Hélène? Oh oui, une momie géante, épouvantable. Ils ont eu tous les deux le cou brisé. Pensez que l'assassin pourrait être un lutteur professionnel. Un lutteur professionnel? Non, je ne crois pas. Aucun des nôtres ne commettrait un tel crime. Tu remplaceras beau démon. Arrêtez! Arrêtez de dire! C'est incroyable. Ces momies sont indestructibles, tu n'es qu'un.